Et salut à tous, c'est Axi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. Aujourd'hui on va refaire une petite vidéo très très courte parce que nos amis ricains ont encore trouvé un petit glitch sympathique durant ce week-end. J'ai pas pu faire la vidéo avant, je voulais tester pour être certain que ça marche toujours avant de vous communiquer un peu l'info. Donc du coup sur notre nouvelle activité, vous allez avoir la possibilité en fait de récupérer deux fois le loot. Alors certains ont peut-être déjà vu des vidéos tournées ou sur Reddit. Moi, c'est là-bas que j'ai vu ça. Alors, ça m'était arrivé en fait la semaine dernière, mercredi dernier, en testant. J'avais fait la manip sans faire exprès. J'ai cru que c'était un bug et j'ai pas compris en fait comment ça s'était passé. Et du coup, ce week-end sur Reddit, j'ai vu que ça, bah voilà, c'était pas un bug, c'était bien une espèce de petit glitch ou d'exploit. Donc, je vous le poste là maintenant que j'ai le temps de faire la vidéo. Tout ce que vous avez faire, c'est terminer en fait la nouvelle activité avec la saison 9. Donc ceux qui n'ont pas le season pass, je suis désolé pour vous, mais vous ne pourrez pas faire marcher cette petite manip. Donc ce que je disais, tout ce que vous avez à faire, c'est terminer l'activité, et en fait dès que vous êtes TP sur la zone où vous allez récupérer votre loot, il faut tout de suite vous rendre sur le pupitre. Alors tout de suite, c'est un espèce de timing. Si vous le faites trop tôt, ça ne marchera pas. Si vous le faites trop tard, ça ne marchera pas non plus. Généralement, vous respawnez, vous attendez une petite seconde et vous vous dirigez vers le pupitre. Vous allez ouvrir le pupitre, tout de suite sélectionner une arme. Dans celle que vous avez le choix, vous récupérez l'arme, vous faites tout de suite sortir du menu et vous attendez que l'activité se termine. Une fois que l'activité est terminée, vous allez relooter votre équipement qui est en rapport avec l'activité et vous allez pouvoir réactiver le petit pupitre et de nouveau récupérer une seconde arme. Donc moi je l'ai retesté aujourd'hui, ça marche toujours. Si vous n'aviez pas l'info, essayez par exemple de le faire peut-être ce soir ou je ne sais pas quand. Ça a marché tout le week-end, enfin ça marche en fait depuis la semaine dernière, depuis la saison 9. Je ne sais pas si Bungie va le patch ou pas. En tout cas voilà, il y a un petit bug, un petit exploit qui permet de récupérer deux armes à chaque fois. Voilà, c'était tout. Encore une fois, on peut remercier nos amis ricains de trouver toutes ces petites astuces. Pour ceux qui l'avaient, bah, je vous apprends rien. Pour ceux qui l'avaient pas, allez tester ça si vous avez la saison 9. Ça vous permettra de récupérer des armes à l'appel. Voilà, j'espère que la vidéo aura pu vous servir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!